Ezalise mama, mususu azalite. Yohani Maria Magdala, bazala kina kufa ya Yezu. Kasi na botama ya ye, e bazala kite. Ezalise mama, mama Maria, sekele ya bobo ya Yezu, oma boko ma ye. Mama, l'Église catholique célèbre le 1er décembre de chaque année la bienheureuse Anorite Nengampeta. Selon les explications nous fournies lors de notre descente sur terrain, la bienheureuse Anorite Nengampeta Marie-Clémentine a trouvé la mort dans le contexte de la rébellion qui avait secoué la province orientale vers 1964. Ce fut donc le 29 novembre 1964 que les rebelles Simba arrivent à Bafabaka et enlèvent toutes les religieuses, 34 au total, dont Anorite Nengampeta. Les sœurs sont conduites vers Isiro, où elles arrivent le 30 novembre 1964. Elles sont logées ici, à la Maison Bleue, qui était jadis un bar appartenant à un sujet grec, devenu aujourd'hui sanctuaire national de la bienheureuse Anorite après son assassinat. Cette même nuit, soit la nuit du 30 novembre 1964, les colons Ngalo proposent de prendre Anorite comme femme et demandent à un de ses militaires, appelé Olombe, de transmettre le message à celle-ci. Cette dernière oppose un refus farouche, préférant mourir plutôt que de se laisser abuser par le colonel Ngalo. Après l'avoir poignardé ici, à cet endroit, pour avoir opposé un refit, l'envoyé du colonel Ngalo demande aux autres sœurs, qui elles aussi avaient subi des coups de fouet, de venir prendre leurs consœurs. La bienheureuse Anorite n'avait pas rendu l'âme à cet endroit où elle avait été poignardée. Pendant qu'elle se battait entre la vie et la mort, la sœur Anorite dit à son oppresseur, « Je te pardonne, car tu ne sais pas ce que tu viens de faire. » Ainsi, les sœurs amènent Anorite dans cette chambre où elle rendit son dernier soupir.
Sur place à Isiwo, nous avons trouvé trois tombes de la bienheureuse Anuarite Nongampeta. La première tombe se trouve à Kinkole, fut, selon les explications, une fosse commune. C'est ainsi qu'elle a été déterrée pour être inhumée à Dingilipi. Selon la population locale, c'est suite aux pratiques fétichistes de certains habitants du coin qui s'observaient sur la deuxième tombe que l'église avait décidé de déterrer le cadavre de Anuarite pour ensuite l'ensevelir au sein de la cathédrale de Siro qui constitue sa troisième tombe. La bienheureuse Anuarite Nongampeta totalise déjà 55 ans dans l'au-delà, soit du 1er décembre 1964 au 1er décembre 2019. La sœur Anuarite Nongampeta est née le 29 décembre 1939 dans un village appelé Mandabone dans le territoire de Wamba dans la province du Haut-Ouélé. Elle était quatrième d'une famille de 6 enfants, toutes des filles. Après les refus exprimés par ses parents sur son projet de vie religieuse, Anuarite quitte clandestinement la maison de ses géniteurs en 1954 pour se faire inscrire comme aspirante au couvent des sœurs de la Sainte Famille de Kisangani à Bafouabaka, localité située à une quarantaine de kilomètres de Wamba, son territoire natal. Après l'aspiranat et le noviciat, elle fait sa première profession religieuse le 5 août 1959 comme sœur. Le processus de béatification est amorcé en 1983 avec la reconnaissance par la congrégation ordinaire des cardinaux que la mort de la Anuarite avait été un vrai martyr conforme à la tradition théologique et juridique de l'Église. Le 2 juin 1984, le pape Saint Jean-Paul II agrée le lever de la Sacrée Congrégation et ordonne que le décret au sujet du martyre de la sœur Anuarite soit promulgué. Ce qui fut fait le 9 juin 1984 à Rome. La béatification par le pape Saint Jean-Paul II intervient à Kinshasa le 15 août 1985. Depuis cette date, Anuarite est honorée par l'Église catholique universelle comme bienheureuse.